En voilà une belle idée cadeau à faire et à se faire en cette fin d'année. Une intégrale sortie chez Glénat, le Caravage de Milo Manara. Alors Milo Manara, on le connaît évidemment pour le Déclic et tous ses BD coquines. Mais il y a une autre facette de son travail, ce sont les bandes dessinées historiques, avec notamment les Borgia qui sont sortis il y a quelques années. Et le dernier date, c'est le Caravage, sorti en 2 tomes et qui nous propose une intégrale absolument superbe. Alors, ce n'est pas du tout pornographique. Alors oui, il y a un peu de nudité, évidemment, mais c'est l'époque qui veut ça. Et puis Manara, c'est toujours sympa d'avoir un petit peu de nudité. Donc là-dessus, vous n'y couperez pas, mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est la vie et l'œuvre du Caravage, ce peintre magnifique du 16e siècle. Qui était un génie. Vous allez découvrir l'homme derrière l'œuvre, l'artiste derrière son travail, ses tableaux connus de tous. Un travail magnifiquement, une adaptation très personnelle de la part de Milo Manara, qui a décidé de faire écho à sa propre carrière et à son propre travail pour raconter la vie d'un artiste dont on voit qu'il est fan et qu'il adore. Voilà, mais qui n'aime pas le Caravage, c'est absolument super. Voilà, c'est tout simplement sublimissime. Chaque page est dingue, c'est un travail de malade et c'est tout simplement magnifique. Voilà, scénarisé, dessiné, magnifiquement illustré par Milo Manara, adapté de la vie du Caravage. Découvrez cet artiste et craquez pour cette intégrale sublimissime. Une très belle idée cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, c'est disponible sur originalcomics.fr, bien entendu. Voilà, craquez pour Milo Manara, craquez pour le Caravage, c'est évidemment disponible sur originalcomics.fr. Le lien, il est là, dans le descriptif de la vidéo. Salut !